Salut à tous, c'est Forest Man. On est en train de faire quoi là? Il est quelle heure? 9h du soir. Non, Et il se passe ça quoi va dans le bon sens. Expliquons les problèmes. C'est la merde. Ouais. Ah, c'est bon. Bon bref, la rotule est bonne à changer. Et du coup, il y a le contrôle technique demain à 5h30. Sauf que demain, c'est boulot. Du coup, pas le temps de changer la rotule. Donc à 9h du soir, c'est fait. On change la rotule. C'est cool. Ah mais. Ouais. Et pourquoi on change la rotule? Bah parce que l'autre, elle est morte. Et pourquoi elle est morte? Bah je sais pas. Parce qu'il y a du jeu. Ouais, c'est la merde. Entre la roue et la rotule. Et tous les joints sont bons à recoller aussi parce que la voiture c'est un peu Titanic. Du coup, après, c'est séance collage. Ouais. Parce que ça en kit. Comme les Lego là qu'on emboîte. Tu t'amuses? Bon, accroche la roue, il y a des petits picoles. On sent que ça va se faire chier Non, pas les joints. Il y a juste à racheter de la silicone parce qu'il va pas rentrer tout. On va l'inonder. Je vais te la tenir collée au machin. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même ma voiture, hein. Oh, elle est bien ta voiture. Tu l'aimes ma voiture? Oh, il y a pas, j'ai jamais. Alors. Fa. Attends. Non, NS55 à elle la marche encore. rescousse. Elle est encore. Ouais. Bon. À chaque fois que je vois le cas, ça fait un tour. Oui. Un. Deux. Deux. Trois. Oh, une créature! C'est un tigre. Attends, t'en fais un Il y a bidon? beaucoup de tigres ici. C'est ça? Oui. Oh, Oh, le tigre! Oui, con. 23, 21, 19, 15, 12. On a un élément perturbateur. C'est NS55 qui est venu les embêter. Ah mais si on compte bien, tu économises 90 balles. Pourquoi? Parce que si je la mets mal, elle va bouffer du pneu. Normalement, il faut qu'on fasse un parallélisme après une rotule. Ah. Le parallélisme, c'est 90 balles. Ah. Normal que Bon, bah ça y est, j'ai changé la rotule. Hein. Vous avez vu, c'est tout beau, c'est tout neuf. Elle est où la vieille? On a changé ce truc là. Bon, c'est tout facile à faire. Hein. J'ai démonté là. J'ai dévissé là-bas. Puis j'ai changé le truc. J'ai utilisé ça pour sortir la rotule. C'est un truc spécial. On met ça là. Et pouf, ça sort. Un coup de masse et c'est bon. Bon, bah, il reste plus qu'à redresser la roue, remonter la roue. Puis on verra le verdict du contrôle technique demain. C'est con, hein, il y a encore un non-contrôle technique sur la voiture, mais on est obligé de la passer au contrôle. Ils font chier les temps. Il nous reste à coller les joints là. Vous avez vu, c'est de la merde, ça se décolle. Alors du coup, c'était une piscine hier dans la voiture. Il y avait plein d'eau partout. Ouais, vous avez vu, chez Renault, ils sont marrants. Ouais. Alors là, c'était plein d'eau là. Jusqu'ici, j'ai fait un trou avec la perceuse. Vous avez vu où c'est qu'ils ont mis les fusibles? Franchement, c'est pas très malin. Non, tout était dans l'eau. C'était un bateau, l'engin. Bon, ben voilà. Hein. Je vais essayer de redire, monter la roue. On va redresser les roues d'abord. Allez, je filme le remontage. Est-ce qu'il va y arriver? Cette mission est difficile. C'est pire qu'un 4x4 cet engin. Il y a longtemps, De quoi? Il n'a pas monté le roue. Bah si, on les a fait sur mon camion la dernière fois. Tant t'as pété la boîte. C'est pas vrai. Si, elle a pété la boîte. Ici? Si, 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 Il si, est si, si, encore. si.
Si, 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 j'ai fait la formation auto-école là, une journée, là, je me rappelle, ça a beaucoup cracoté. C'est faux. Elle a pété la boîte. J'avais qu'un boulot en face. C'est que t'étais pas en face. Si, 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 si. Bah, si j'en vois un, je suis forcément aligné avec les autres. Non. Eh non, mais non. Est-ce qu'il va arriver à la mettre? Suspense. Ça va, ça se visse. Si c'est vissé de travers, c'est mal. Bon, bah voilà. Salut à tous. Bon, c'était hier le contrôle technique. Hein. Mais on a une contre-visite. Parce qu'il y a un problème au niveau du voyant de l'ABS qui se met en route au démarrage et après qui ne sonne plus. Hein. Du coup, ça nous fait un bug. Une petite branche, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui a changé juste derrière la rotule. Donc ça, bon, c'est un truc qui coûte 10 euros, qui va être fait en 2 secondes. Et on est trop con, quand on a acheté la voiture, on n'a pas vérifié le niveau d'huile. Et il s'avère qu'il y en avait trop. Du coup, il n'a pas pu faire la pollution. Le truc débile, mais tant pis, bon, on a 2 mois pour faire la contre-visite. Au moins, elle est passée, mais à part ça, rien de bien grave. Je vais vous montrer pour le clignotant du signal d'ABS si quelqu'un sait comment le retirer. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bientôt de l'urbex qui revient. On vous promet quelque chose d'un peu plus fou. À bientôt.